Et ça y est, Marion a quitté le plateau de la matinale. Je ne sais pas si vous avez vu pendant la pause, on a eu justement la promotion de l'émission La Petite Vadrouille. C'est à partir du 4 juillet, donc à partir de lundi et non à partir de samedi. Hein, que vous allez pouvoir le retrouver sur l'antenne de TV Vendée. Ça sent bon les programmes d'été, hein, ça je vous l'avais dit. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous rappeler qu'à partir de lundi prochain, la matinale, elle commencera. Alors déjà, elle continue, ça c'est la bonne nouvelle. Et elle sera légèrement décalée dans le temps pour commencer à 7h30 et pousser jusqu'à 9h30. Voilà, pendant tout le mois de juillet. Pour le reste, le contenu, eh bien, on en reparlera en fin de semaine. Vous aurez quelques surprises. D'ici là, dans le journal aujourd'hui, nous revenons notamment sur l'organisation prévue dans les centres hospitaliers pour l'été, justement. Faute de trouver des remplaçants, 20% des lits seront fermés cette année en Vendée, contre 15% habituellement en juillet-août. Nous verrons donc dans quelques instants quelle réorganisation cela implique. On va aussi parler du championnat de France de tennis de table, championnat qui s'est tenu tout le week-end au Vendespace. Âgés respectivement de 17 et 18 ans, c'est la francilienne Pritika Pavade et le montpelliérain Alexis Lebrun qui repartent avec le titre. Et puis c'est le dernier projet de l'année qui vous est proposé dans les chroniques de ce début de semaine. Nous allons parler coopérative funéraire autour de 9h moins le quart. Avant de développer tout ça, on regarde pour une dernière fois la météo de ce lundi. Avec une journée qui est globalement ensoleillée en Vendée. C'est la bonne nouvelle ça, de ce début de semaine, ensoleillée dès ce matin d'ailleurs, mais un petit peu frisquet quand même hein, pour un 27 juin, rappelons-le, puisqu'il doit faire 13 à Montaigu-Vendée et ou encore à la Châtaigneraie, 14 à La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, 16 sur le littoral. Cet après-midi, ce sera le même ciel, c'est-à-dire de très belles éclaircies, mais aussi quelques nuages qui auront du mal à se faire discret, pas de pluie, 20 degrés sur le littoral et jusqu'à 22 dans les terres. La mer, eh bien, elle est en train de baisser depuis 5 heures ce matin, point le plus bas en milieu de matinée, 10h32, vous le voyez, et elle sera au plus haut pour le goûter, c'est assez logique, 16h46. Les coefficients sont toujours de mortes eaux, nous repasserons très brièvement au-dessus de la barre des 70 jeudi. On poursuit avec notre petit tour quotidien des marchés alimentaires de Vendée. Comme chaque lundi, vous avez la possibilité d'aller à Noirmoutier-en-Lille, au Sable d'Olonne, à Jarre-sur-Mer ou encore à Benet. Et notez également qu'à partir de juillet, eh bien, doivent aussi s'ajouter les marchés à Saint-Jean-de-Mont, à Saint-Hilaire-de-Riez ou encore à Longeville-sur-Mer. Côté éphéméride, c'est la Saint-Fernand aujourd'hui. Bonne fête aux Fernandes également. Le soleil s'est levé à 6h14 et tout à l'heure, il se couchera à 22h03. Et ça y est, nous perdons une minute de soleil. Il fallait bien que ça arrive à un moment ou à l'autre. On passe au journal maintenant. Et nous commençons donc avec l'organisation estivale des centres hospitaliers de Vendée. Habituellement, 15% des lits sont fermés en juillet-août, le temps que les soignants posent leur congé. Mais cette année, faute de leur trouver assez de remplaçants, ce sont 2 lits sur 10 qui ne pourront être utilisés. Le passage aux urgences devra donc ne se faire qu'en dernier recours. D'abord, la proximité. Essayer de joindre un médecin en proximité. Voilà. Si vraiment on n'a pas de réponse de ce niveau-là, il faut appeler le 116-117 ou le 15 pour pouvoir avoir une réponse. Et là, on aura immédiatement un conseil médical qui, en fonction de ce que les personnes vont dire, j'ai ceci, j'ai cela, on va leur dire, ben, écoutez, là, vous allez aux urgences ou ben, vous attendez, on vous donne un rendez-vous pour demain, ou en tout cas on va donner les conseils appropriés en fonction donc des besoins qui seront exprimés par la personne qui appelle. Et il manque donc une centaine d'infirmiers et d'aides-soignants pour pallier les congés des professionnels permanents. C'est une situation d'autant plus compliquée que nous sommes aujourd'hui 16% de Vendéens à ne pas avoir de médecin traitant. Avoir un bon aperçu du monde de l'entreprise avant même d'y être plongé, c'est l'objectif des liens tissés entre certaines formations et des patrons vendéens. Avant que la plupart des établissements scolaires ne ferment, eux aussi pour l'été, l'heure était donc à l'immersion pour les BTS de Notre-Dame-du-Roc à La Roche-sur-Yon. Immersion dans le monde de l'hôtellerie que Grégoire de Châtillon a pu suivre. Donc on mangera tous ensemble à 11h30. Ces étudiants en BTS sont de futurs managers dans l'hôtellerie ou la restauration. Avec leur lycée Notre-Dame-du-Roc de La Roche-sur-Yon, ils ont réalisé le temps d'une matinée, une immersion dans le monde professionnel, un monde déjà connu pour eux, en partie grâce à leur formation en alternance. Mais ce qui compte ici,
avec cette immersion, c'est de leur ouvrir l'esprit afin qu'ils puissent découvrir d'autres façons de faire. Je travaille au restaurant La Chaboterie, une étoile Michelin. Il y a beaucoup de différences entre le gastronomie et là le bistrot, le menu bistrot et le restaurant qui fonctionne assez rapidement pour de la clientèle qui n'est pas forcément le temps de manger. Vous avez la chambre standard. Cuisine, réception, chambre, une immersion au bistroquet et son hôtel de la gare avec ses 24 chambres. J'ai envie d'apprendre dans d'autres domaines que la cuisine. Mes collègues sont en train d'apprendre à refaire une chambre pendant qu'un client n'est pas là. Donc c'est ces choses-là que j'avais envie d'apprendre. Toute nouvelle expérience est donc bonne à prendre pour ces étudiants. Je veux leur dire qu'aujourd'hui, la richesse pour un futur manager, pour un futur responsable, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et on a la chance que Madame Baudouin, à l'hôtel de la gare, a accepté de nous accueillir pour aller voir tous les pôles et voir la complexité, la diversité, que ce soit pour faire un lit, pour que ce soit en cuisine, au service, à la réception. On voit l'ensemble des activités d'un manager, d'un chef d'entreprise, et on veut les préparer à la responsabilité. Avec cet établissement Hôtel Bistrot, c'est une nouvelle sensibilisation au monde du travail qui s'offre à eux pour ces futurs professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. C'était une première, un peu discrète par endroit, mais l'intention de s'ouvrir à tous était bien là. La plupart des casernes de Vendée organisaient des portes ouvertes vendredi soir et samedi, l'occasion d'aller à la rencontre des volontaires engagés dans les secours et la lutte contre les incendies. Une vraie immersion dans leur quotidien, là aussi, pour susciter parfois des vocations. Alexandre Debray. Je vous invite à découvrir l'intérieur du VSAV. Ce week-end, les pompiers vendéens ont ouvert leurs portes pour faire découvrir leur caserne. L'occasion de découvrir avec eux leur matériel de secours. Et donc à l'intérieur du VSAV, on va retrouver un brancard pour pouvoir faire le transport de la victime. Et on va retrouver tous les équipements qui vont nous servir à conditionner une victime. Il faut beaucoup de mémoire, non, pour retenir tout ça? Oui, il faut de la mémoire. Au bout d'un moment, c'est mécanique. On connaît nos emplacements, c'est toujours rangé au même endroit. La difficulté, c'est si on change d'ambulance, où il faut se remémorer. Mais dans l'ensemble, une fois que c'est acquis, on retrouve notre matériel habituellement. Ici au Poiré, 40 pompiers volontaires, dont 8 femmes, font preuve de dévouement. Grâce à ce temps d'échange, les soldats du feu renouent avec le public. Le fait de pu avoir ce contact, notamment lors de la distribution des calendriers qui a été un petit peu perturbée avec le Covid cause confinement, nous fait du bien de revoir la population et fait du bien aussi à la population de nous voir, de nous sentir présents, de discuter. Ça fait du bien au moral aussi bien des troupes que des concitoyens dont on a en charge leur sécurité. Pas de chance pour Liam, tous les camions sont partis en intervention au moment de sa visite. Mais à l'issue de sa découverte, ce jeune de 11 ans souhaite rejoindre les pompiers. Moi, maintenant oui, je veux plus faire pompier. Après avoir parlé avec eux, du coup, ça me renforce. Cette opération, c'est aussi un moment fort pour attirer de nouveaux volontaires partout sur le département. Des personnes qui travaillent en 2-8 ou en 2-nuit, ayant de la disponibilité en journée, c'est des profils qu'on recherche pour pouvoir renforcer l'effectif la journée notamment. Un jour, vous serez donc peut-être à la caserne pour protéger les 14 000 personnes du secteur. L'an dernier, le centre du Poiré est intervenu à 600 reprises. Du sport à présent avec les images de la remise des prix des championnats de France seniors de tennis de table. C'était tout le week-end au Vent d'Espace, âgés respectivement de 17 et 18 ans. C'est la francilienne Pritika Pavade et le montpelliérain Alexis Lebrun qui repartent avec le titre. Pritika a notamment déjoué en finale la sextuple championne de France Jia Nan-Yuan quelques jours à peine après avoir passé le bac. Alexis, lui, a battu le double tenant du titre et triple champion de France, Simon Gauzy, championnat de France senior de tennis de table. Donc, écoutez la réaction. C'est incroyable, c'est extraordinaire, j'ai pas les mots, c'est quelque chose d'énorme, c'est vraiment, j'en reviens pas. C'était long, c'était dur, j'étais inscrit dans les trois tableaux, donc en double, on a perdu en quart de finale, on était les tenants du titre avec Esteban Dor, j'ai un peu raté le match. Puis en double mixte avec Camille Lutz, on est allé au bout, donc super content, c'était énorme. Et bah, là en simple aussi, je vais au bout, donc ça faisait beaucoup beaucoup de matchs avec beaucoup d'intensité et beaucoup d'émotion. Donc. Et ouais, une fin la plus belle possible.
Nous allons prendre part maintenant à une visite un petit peu décalée, une visite organisée pour briser le tabou de la mort. C'était notre invité de la matinale vendredi. L'association des deuils et des hommes a organisé dimanche la visite d'un cimetière de La Roche-sur-Yon pour aborder en toute simplicité les rites, des comptes et les démarches à faire lorsque nous sommes confrontés à la disparition d'un proche. Pierre Dalicieux. Une balade dominicale, disons inattendue, son nom la balade mortelle. Une déambulation de presque 2 heures dans ce cimetière paysager de La Roche-sur-Yon pour parler d'un des sujets les plus tabous, la mort. La mort, elle est loin de nos vies. On meurt souvent à l'hôpital ou en EHPAD. Les cimetières sont à l'extérieur des villes. On célèbre les naissances. On parle plus facilement des naissances que de la mort le soir en famille ou autour d'un apéro. L'objectif, c'est de la faire revenir dans la vie, pour qu'on soit mieux préparé aussi. Le jour où on est confronté à l'organisation de funérailles, on est pressé par le temps, on est démuni, on est bien évidemment triste. Et il nous faut faire des choix, et on n'est pas forcément toujours bien armé pour faire ces choix en connaissance de cause. Une promenade ponctuée de petites pauses entre les tombes et à l'ombre des arbres. L'occasion d'écouter des contes, de la musique. Une manière décalée de parler de la mort qui interpelle et peut soulager parfois. L'idée de faire cette journée avec des contes, ensemble, c'est pareil. C'est à la fois de donner une autre place à la mort, hein, c'est célébrer le vivant, parce que la mort fait partie de la vie. Je trouve que c'est une belle façon d'en parler. Tous ces contes, c'est beau, c'est... J'ai beaucoup souri tout à l'heure, je trouve que c'est chouette. Ça donne une autre dimension. Et je crois qu'il ne faut pas... Ça doit être très aidant pour certaines personnes de faire cette démarche ce matin. Moi, en tout cas, ça m'aide. Une petite centaine de personnes qui déambulent dans les allées de ce cimetière pour y apprendre aussi parfois des choses concrètes. L'idée ici, c'est vraiment de pouvoir mieux comprendre le choix qui s'offre à nous dans ce cimetière en particulier, ouais, de manière très concrète. Inhumation, crémation, combien font la taille des sépultures, etc. Une balade mortelle organisée par l'association des deuils et des hommes qui milite aussi pour la création très prochainement d'une coopérative funéraire à La Roche-sur-Yon. Et ces quelques images à présent de ces fouilles archéologiques, c'est sur l'île Dieu que ça se passe. Des fouilles menées pendant tout le mois de juin au nord-ouest de l'île, du côté du dolmen de la Planche à Puard. C'est une équipe franco-suédoise qui travaille sur place dans le cadre du programme européen Néossi. L'objectif est d'en apprendre un petit peu plus sur ce dolmen au sein duquel des squelettes ont logiquement été retrouvés. Avant de passer aux chroniques de ce lundi, on va maintenant passer à la partie un petit peu plus mag de la fin de journal. C'est l'heure de retrouver notre minute positive. Érable champêtre, noisetier, chêne, tilleul, de la petite section jusqu'au CM2, les élèves des écoles Flora Tristan et Jeanne d'Arc de La Roche-sur-Yon ont pour leur plus grand plaisir participé à ces plantations. C'est bien parce que ça contribue à la biodiversité. Déjà, ça fait une activité, on sort dehors, on découvre de la nature, c'est bien. Et puis, c'est vrai, ça fait partie de la nature, c'est notre besoin. Si on n'avait pas d'arbres, on ne serait pas forcément ici. Et là, on est allé planter pour cacher la route, pour avoir ce lac qui soit un peu plus naturel. Un plan d'eau plus naturel, en effet, grâce à la plantation de 15 arbres et 70 arbustes au bord de l'étang du parc Expo des Oudéries, c'est non seulement un nouvel écrin pour le lieu, mais aussi un atout pour les promeneurs. L'opération Je plante au parc est un projet collaboratif, environnemental et pédagogique. Vous faites un cercle de 20 cm. Le projet pédagogique, il a démarré en fait dès le mois de septembre. Et les élèves viennent, les écoliers viennent depuis le mois de septembre déjà sur le site. Là, les plantations démarrent en effet aujourd'hui, mais pour eux, c'est déjà un long chemin qu'ils ont parcouru sur site pour découvrir la biodiversité, comment évolue la nature aux différentes saisons du Parc Expo. J'ai eu la joie que 7 classes sur 11 acceptent de réfléchir à ce projet-là, qui restait vraiment à élaborer du début à la fin, quelque part. Et puis, ça faisait écho aussi à notre travail tout au long de l'année autour des petits bonheurs. Des petits bonheurs que de favoriser ici la biodiversité. Pour la CAGEV, coopérative d'aménagement des jardins et espaces verts, partenaire de l'opération, c'est aussi un petit bonheur
de collaborer avec ses enfants. Impeccable. On voit vraiment qu'ils sont impliqués et que, mine de rien, on arrive quand même à toucher les jeunes générations avec un problème qui est mondialement connu maintenant. Donc, permettre la reforestation avec les enfants qui sont quand même, maintenant, on va dire, entre guillemets, l'avenir un peu de notre pays. Donc, ils sont quand même bien contents de faire ça et ça fait plaisir à voir de voir tous ces jeunes qui sont là et qui mettent la main à la pâte et qui sont contents de faire ce qu'ils font. Ouais. Une nouvelle génération plus que jamais sensible à l'environnement qui a à cœur d'apporter sa pierre à l'édifice. Il est 8h46 sur le plateau de la matinale. On va maintenant s'intéresser au Plus Info. Aujourd'hui, eh bien, on va prendre des informations sur le service civique. C'est le moment de postuler. Si c'est un contrat qui vous intéresse pour la rentrée, il s'adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui veulent s'engager pour un semestre ou deux au service de la collectivité. Le service civique, c'est une mission de 6 à 10 mois, généralement. Il y a des missions longues à l'international également, de jusqu'à un an. Au sein d'associations, de mairies ou d'administrations publiques, des écoles par exemple, pendant ce temps un peu long, là, d'environ 8 mois, les jeunes de 16 à 25 ans peuvent s'engager, découvrir un domaine d'activité, mais dans le cadre d'une mission d'intérêt général. Donc on est forcément, il y a une notion d'engagement et d'utilité sociale et pour les jeunes dans leur parcours. On a tout type de jeunes de 16 à 25 ans, vous allez avoir, et de plus en plus d'ailleurs après cette période Covid, des décrocheurs, donc des jeunes qui sont en rupture dans leur parcours scolaire, qui ne s'y retrouvent pas dans le système scolaire et donc qui ont besoin d'une expérience plus concrète. Donc le service civique, c'est une expérience idéale. Et puis on a des jeunes qui sont plus loin dans leur parcours d'orientation, mais qui ont besoin soit de confirmer un projet, soit de se réorienter. Donc soit en cours de formation, soit après l'obtention d'un diplôme. On est organisme d'accueil et on permet aussi de mettre à disposition des volontaires en service civique auprès d'autres structures qui n'ont pas d'agrément, que ce soit des associations, des collectivités. Donc ce qui nous permet de proposer des missions dans des domaines très variés et sur tout le département. Et puis on organise justement les formations civiques citoyennes qu'on voit aujourd'hui. Donc là c'est vraiment l'occasion pour presque tous les jeunes en service civique en Vendée de sortir de leur mission et de venir. Donc c'est environ 250 jeunes chaque année qui viennent à la Ligue de l'enseignement pour suivre leur formation. Mais nous, directement, on accueille 40 à 50 jeunes chaque année en service civique dans notre réseau propre. Ce qu'on sait, c'est que le service civique apporte, alors au-delà de compétences concrètes ou de savoir-être, ça apporte souvent une confiance en soi. Voilà, c'est l'occasion, souvent une première occasion de mettre en place un projet concret, de savoir de quoi on est capable. Donc c'est un moment plus d'acquisition, de confiance, de savoir-être, de compétences. Et nous, effectivement, on essaie toujours de susciter l'intérêt de l'engagement, de la citoyenneté, voilà, de dire que ce n'est pas seulement une expérience professionnelle, mais c'est une expérience au service d'une association ou d'une mission d'intérêt général. Et pour en savoir un petit peu plus sur le service civique, il existe un site internet jeunes.gouv.fr. Passons maintenant au projet du jour. Et l'année passe vite, l'année passe très vite puisque nous vous proposons aujourd'hui le dernier projet de cette saison de matinale 2021-2022. Pierre Dalissieu évoquait tout à l'heure dans le JT le projet de coopérative funéraire de l'Association des deuils et des hommes. Et bien pour ce projet, il y a besoin de vous. Regardez. Apprend que sa mamie Odette est morte. Il aide sa mère à choisir une entreprise de pompes funèbres.
Mais comment choisir? Il y a celle qui est en face du cimetière, il y a celle qui a déjà enterré Papy Gérard, ou il y a la coopérative funéraire. Mais c'est quoi, une coopérative funéraire? Alors, Paul raconte à sa mère. Tu sais, mamie et moi, on avait participé à un café mortel. C'était organisé par l'Association des deuils et des hommes. L'idée de l'association, c'est de sortir la mort du silence, pouvoir réfléchir à ce qu'on veut pour nos propres funérailles. Anticiper pour soi ou pour ses proches, c'est plus facile. On a le temps et on n'a pas la charge émotionnelle du décès. Et puis cet asso a soutenu aussi la création d'une entreprise de pompes funèbres différente. Ok, mais en quoi elle est différente cette entreprise? D'abord, l'accueil est chouette. On se croirait à la maison. Il y a un salon, même le lieu est chaleureux. Les personnes qui t'accueillent t'aident vraiment à inventer des rituels qui te parlent et qui du coup te réconfortent. Tu crois qu'on pourrait écrire sur le cercueil le poème que Mamie récitait tout le temps? Mais oui, c'est ça. On pourrait même faire venir la chorale où chantait Mamie. En plus, Mamie, elle était écolo. Il propose des cercueils en carton, en bois brut, issus de forêts éco-gérées. Il propose même des urnes d'artisans locaux. C'est vraiment une entreprise engagée, ça aurait plu à Mamie. D'accord. Mais tu sais, moi, quand mon tour viendra, j'aimerais bien avoir un cercueil en chêne. Ce sera possible. À la coopérative, il n'y a pas de pression. Ils prennent le temps d'expliquer ce qui est possible, obligatoire ou non. Et après, chacun est libre de faire ses choix. Tu sais aussi, cette entreprise est une coopérative. Ça veut dire qu'elle appartient à ses sociétaires. Si on a envie d'être sociétaire, on prend une part et on peut participer à la vie de l'entreprise. C'est hyper démocratique. Moi, je trouve ça cool de pouvoir décider tous ensemble pour une entreprise comme celle-ci. Parce que finalement, on est tous concernés par la mort. Allez, tu m'as convaincu. On y va. Des coopératives funéraires existent déjà dans 7 villes de France et il y a une vingtaine de projets en cours. L'association des deuils et des hommes s'inscrit dans cette dynamique et travaille pour l'ouverture d'une coopérative funéraire à La Roche-sur-Yon pour la fin de l'année. Pour que cette entreprise sorte de terre, nous avons besoin de vous et d'un corbillard. Et c'est un projet à retrouver sur la plateforme locale VendéeHop. C'est l'occasion pour moi de remercier chaleureusement Emmanuel Guibert, Aurélie Ripoche et toute l'équipe de VendéeHop pour cette collaboration pour cette année de chronique matinale. Passons à l'extrait du jour. Avec les passionnés qui s'intéressent aujourd'hui au bocage. Grégoire de Châtillon est parti à la rencontre de Frédéric Segretin. Il est particulièrement calé sur le sujet, vous allez voir. Mon chemin de vie, c'était ça. Alors au début, je voulais être garde forestier. Je suis parti au lycée nature pour ça. Ça s'est pas vraiment fait. Je suis parti en fait en travaux paysagers. Et puis je suis allé dans une collectivité. Mais en fait, le renouveau du métier qui va maintenant beaucoup plus vers la nature m'a fait découvrir en fait cette passion première. Et je me retrouve dans ce que je voulais, quoi. Tu as été longtemps agent et puis responsable des espaces verts de la ville de Bretignolles-sur-Mer. Et puis, il y a quelques temps, tu t'es mis à ton compte pour à la fois devenir conférencier, à la fois proposer des formations, des ateliers, sensibiliser plus largement ceux qui nous entourent à cette biodiversité qui est là, partout autour de nous et qu'il faut préserver. C'est un peu ton moteur. C'est mes objectifs premiers. À Bretignolles, j'arrivais à essaimer un peu ces valeurs-là et essayer de sensibiliser. Ça restait un petit microcosme. Et le fait d'être maintenant à mon compte, ouais, je peux essaimer bien plus. Donc c'est mon objectif premier. C'est s'aimer pour sensibiliser. C'est la meilleure des manières. Il y a des lois et des sanctions, mais ce n'est pas du tout mon avis. À mon avis, il faut d'abord s'aimer. Quelqu'un qui est sensible et qui comprend la démarche, il sera forcément respectueux de l'environnement sans qu'il y ait besoin de barrières. Et les passionnés avec Frédéric Segretin, c'est à retrouver toute la journée sur l'antenne de TV Vendée, notamment aujourd'hui à midi, juste avant le journal de mi-journée. On passe au jeu. Avec une nouvelle question, puisque nous sommes lundi, question qui s'intéresse à la Vendée Arctique. Qui a été déclaré vainqueur de la deuxième édition de la Vendée Arctique? C'est ce à quoi nous allons nous intéresser toute la semaine. Indice du jour, c'est le remplaçant de Yann Eliès sur le Vendée Globe 2016.
Et vous le voyez que nous avons deux partenaires cette semaine. Il y aura trois gagnants qui seront tirés au sort vendredi après-midi. Deux d'entre vous repartiront chacun avec deux entrées adultes pour le parc de Pierre Brune à Mervent. L'occasion d'aller découvrir donc ce parc de loisirs sous les arbres de la forêt de Mervent. Et un troisième gagnant gagnera deux places pour le festival des Nuits Menteuses. Ça, c'est du côté de La Roche-sur-Yon. Il me reste un petit peu de temps pour féliciter Gilles de Belvigny et Sophie de La Faute-sur-Mer qui sont les gagnants de la semaine dernière. C'était Rive d'Autise, la commune que nous cherchions du Marais Poitevin, qui avait accueilli des enfants des Deux-Sèvres, de Vendée et de Charente-Maritime pour travailler justement sur la préservation du Marais. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi, d'être toujours avec nous au rendez-vous dès le début de semaine sur TV Vendée. On va se retrouver maintenant demain, dès 7h, pour une nouvelle matinale qui démarrera dans la bonne humeur, je l'espère bien. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain !